à le dire, mais pas très long. Si c'était la terre qui menace, est-ce qu'on attendrait des 1er février de la Bébière pour que les décisions qui s'imposent soient prises, les décisions nécessaires? Or, sur ce problème qui nous rassemble ce soir, c'est la guerre. Qui sont les agresseurs? La délinquance qui s'étend dans la jeunesse. Le manque d'école, l'analphabétisme, l'illettrisme qui prend des proportions inimaginables. Il n'y a que la mauvaise santé, la rupture des familles et le plus grave de tous ses ennemis, la perte d'espérance dans le cœur des filles et des garçons. Qui d'entre vous ne connaît pas l'un ou l'autre de ceux qui ont perdu le goût de la vie? Peut-être quelques-uns d'entre vous, ce que je dis en ce moment, en figure de tel ou tel que vous avez connu et qui a pu en arriver à l'acte du suicide. Le pire que le suicide, de se donner la mort, le début de vie, la perte de toute espérance. Or, dans ce drame du manque de logement, c'est tout cela qui nous agresse. C'est dans tout cela que le pays est menacé de périr, de perdre, comme on dit, son âme, autant que de perdre tout ce qui lui est cher. Ce que nous aimons. Oui, notre pays est agressé depuis longtemps. Et on nous dit de tous côtés que nous sommes un des 5 ou 6 pays les plus riches du monde. Qu'est-ce qu'on en fait de cette richesse? Où est-elle ?